On reprend Bezrat Hashem par des srimonim. On est dans le char Raf, la porte 20, et on est au chapitre 8. Et on est toujours à l'examen de ce nom de Elohim, dont je vous rappelle que normalement il est attribué à la Gvoura. D'accord ? Très bien. Alors, Mipne Shirainu Shem Shem Zen Romez Bebina Keinyan Lamed Bet Elohim Shemase Bereshit. Effectivement, à la fin du dernier chapitre, si vous en souvenez, on avait effectivement dit que ce nom de Elohim, il était lié aux 32 sentiers de la sagesse. Vous vous rappelez, donc, parce qu'il y a marqué 32 fois le nom Elohim dans la création, et il y a marqué 10 fois Vayomer, et il y a marqué 10 fois le verbe Vayomer, et on avait dit, vous rappelez, l'une des manières de voir, c'était que... voilà. Alors, il dit, puisqu'on avait parlé de cette chose-là, Kenyan Lamed Bet Elohim, Shebemaase Bereshit. Petite question simple pour commencer, pour chauffer un peu. Si on dit qu'il y a 32 sentiers ou chemins de la sagesse, comment est-ce qu'on peut attribuer ça au nom de Elohim ? Très bien. Alors, c'est une bonne question. C'est parce qu'effectivement, ici, que de toutes les manières, le nom de Elohim, il ne peut pas s'attribuer à Chorma. Le nom de Elohim, il ne peut, peut pas être attribué à Chorma, quoi qu'il arrive. D'accord ? Alors, nous, on a dit que Elohim, c'était donc Voura. Alors, on dit que le nom de Elohim de la création, et c'est pour ça que ça sera attribué aussi, c'est Chorma qui va dévoiler quelque chose dans Bina. Et c'est ça qui va donner ce fameux cœur. D'accord ? Puisqu'on a dit que Bina, c'est le cœur. Bina à lèvres, et le cœur, évidemment, c'est la Medbet, c'est 32. D'accord ? Alors, Keinyan lève Elohim, Shemaase Bereshit, Veot Kemevoa Beprekodem, et comme c'est expliqué dans le chapitre précédent. Rainou la Tikine Mahamar Meazoar. Et donc, nous allons ici reproduire, c'est-à-dire reciter, un passage du Zohar qui, chez Bo Bier Eliaouzal, les Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, Inyan Hashem Azé, qui est un enseignement du prophète Élie, de Eliaou Anavi, à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un Zohar qu'on avait fait, si vous vous rappelez, il y a très longtemps, c'est au début du Zohar. Dans les Hagdamot, je pense que c'est les deux premières pages. Yur al Chaverim, et là-bas, c'était à propos de la Bina. Alors, et parce qu'effectivement, on voulait comprendre ce nom de Elohim qui était lié à la création. Alors, on y va. C'est le procédé, il est simple, comme d'habitude chez le Ramak. On va lire le texte du Zohar, et le reste du chapitre sera consacré à l'explication ligne à ligne de ce texte. Alors, Vezé les Chono, Bécha'ata de Sétimou de Kol Sétimim, à l'heure où le cachet de tous les cachets, Ba'al et Galia, il a voulu se dévoiler. On parle de la création. Donc il y avait un degré, vous rappelez ce qu'on a vu dans le Zohar hier, ça veut dire dans la création, il y a un côté caché et un côté dévoilé. Donc au moment où le plus caché de tous les cachets, a voulu se dévoiler, Avad Berecha, il a fait dans la tête Nekuda Chada un point. Il a produit ou il a fait un point. Veda Salik le Meeve Marshava, et celui-ci, ce point, il s'est élevé le Meeve Marshava pour être une pensée. Je l'explique simplement, d'accord ? La création, au départ, c'est un projet. Donc, d'où est-ce que ce projet vient ? Il y a un côté qui est complètement caché. Si vous voulez, on pourra expliquer de façon très succincte. On va dire que c'est dans Keter. Et dans Keter, maintenant, il va y avoir un point qui va se dévoiler. Et c'est quoi ce point ? C'est une pensée. Qui va devenir une étincelle. Doucement. Qui est une pensée. Veda salik le meve marshava. C'est pas comme dans le Zohar d'hier ici. Sayir ba kol siyurin. Dans ce point qui est une pensée, on a formé toutes les formes. C'est-à-dire, on fait le projet. On a formé toutes les formes. Chakak ba kol gelifin, il a gravé toutes les glyphes. D'accord ? On a gravé. Donc, c'est dans la pensée, il y a un point. Ce point, c'est la pensée. On verra
comment on peut attribuer Marachava à Chorma, d'accord ? Et dans cette pensée, il y a tout. Dans la pensée, il y a tout. Ça veut dire il y a tout le plan. Il y a toutes les formes et il y a toutes les lettres qui sont gravées. Vea glyph go butsina kadisha. Et il a glyphé à l'intérieur de la lampe sainte, Setima qui est cachée, Gilifu dechad tsiura, la glyphe d'une forme, Setima qui est cachée, Kodesh Kodashim qui est le saint des saints, Binyana qui est un bâtiment, Amika qui est profond, Denafik Migo Mahashava et qui va sortir de cette pensée. Donc le Zohar, c'est clair, hein, d'accord, vous avez un degré caché. De ce degré caché va être formé un point. Ce point, dans Chorma, il y a la Mahashava. Et dans cette Mahashava, on va mettre toutes les pensées, enfin toutes les formes. Tout est gravé, tout est glyphé à l'intérieur. Tout à fait, mais c'est ça. Et va aglyph go butsina kadisha, et on va glypher une lampe sainte, et dechad siura setima, ça va faire une forme cachée, qui s'appelle le saint des saints, qui va sortir de cette pensée, et qui va s'appeler le mi. Veikre mi. Et qui va s'appeler le mi. Le mi, c'est quoi ? C'est le qui. D'accord ? Le mi, c'est le qui. C'est-à-dire, on commence, c'est ce degré qui s'appelle le qui. Veikre mi, shiruta le binyana, et qui va être le commencement de la construction. D'accord ? Très bien. Juste une parenthèse. On a appelé cette chose qui va se dévoiler, qui est du sein de la pensée, on l'a appelé Butsina Kadisha. Butsina Kadisha, on a dit que c'était une lampe sainte. D'accord ? Butsina Kadisha, c'est ce degré de la Chorma qui va éclairer. Nous, on n'a pas la fin de la phrase. Ce Butsina Kadisha, c'est un concept, on va dire, dans le Zohar, c'est correspond à ce degré de la lampe sainte. Vous savez qui est-ce qui s'appelle aussi Butsina Kadisha ? Et tout à fait. Ça veut dire que lui, il est du degré de Chorma. Et que de la même manière que la Chorma, elle éclaire, lui aussi, il est capable d'éclairer le monde. Kaima, velo kaima. Ça se maintient et ça ne se maintient pas. Amik vesatim, c'est profond et c'est caché. Bishma, dans un nom. La ikra et la mi, et cela ne s'appelle que mi. Autrement dit, mi, le Zohar il nous dit déjà que c'était. Alors évidemment, mi en hébreu, il faut revenir à l'hébreu. Mi en hébreu, c'est simplement une question, quoi. Mi, qui ? D'accord ? Qui ? Mais ce qui, c'est déjà un nom saint. Et c'est ce nom-là qui est le nom du commencement de la construction, parce qu'il y a un commencement caché. D'accord ? Bah et les Idgalia. Et maintenant, ce mi, il va vouloir se dévoiler. Évidemment, parce que maintenant, on est dans cette pensée. Dans cette pensée, tout est inscrit, mais c'est pas encore développé. Alors maintenant, il va falloir dévoiler ça. Ou les Idkare Bishma, et pour que ça puisse être appelé par un nom, c'est-à-dire pour que ça puisse vraiment devenir un vrai nom. Ve Itlabesh Bilivouj de Yakar, et il va se vêtir dans un vêtement d'honneur, des Nahir, et qui va éclairer, ou Bara Ele, et il va créer ceci. Le Zohar, ici, il est un peu difficile avec vous, il n'est pas gentil, parce qu'il ne vous donne pas le verset. Mais le verset, on a vu avant, c'était un verset dans Isaïe, c'est où Marom Enechem, c'est le prophète Isaïe qui parle de la création, et il dit, c'est où Marom Enechem, levez vers la hauteur vos yeux, ou, et vous verrez, mi, bara, elé, qui a créé ceci. Très bonne. Ce verset, il dit quoi ? Parce que c'est ce verset que Eliyahu Hanavi, il explique à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce verset, il dit, si tu veux comprendre la création, il faut lever les yeux vers ce... 26. Il faut regarder vers le degré de la hauteur,
D'accord. Et pourquoi c'est les yeux? Parce que le Zohar il dit, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Petar Enaim, qui est la porte et l'ouverture des yeux. C'est à partir du moment où on commence à voir. D'accord. C'est ce Zohar là-bas. C'est 1B. D'accord. Il est traduit dans les livres. 1B. Mais le Zohar, il va lire qu'il dit « C'est où, Marom et Nechem, levez vos yeux vers la hauteur, où, et vous verrez. » Puisque ça veut dire quoi ?« Vous verrez », c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir. Et là-bas, il est marqué « Mi bara ele » qui a créé « ele » ceci. Mais on va le lire littéralement que c'est « Mi » qui a créé ceci. « Mi bara ele » des naïrs et qui a éclairé ou bara elé et qui a créé ceci. Vesalik el e bishma et le elé il va devenir un nom. Oui. Donc semi c'est un nom et c'est lui qui a créé elé. Laissez faire. Itrabrou vesalik elé bishma et donc comme le mi il va créer le elé. Elé Vesalik Ele Bishma et le Ele il va devenir un nom. Itrabrou Advan Ilin Be'ilin. Les lettres vont se lier celle-ci avec celle-là. Ve Ishtalim et ça va se compléter. Vesalik Bishma et ça va devenir un nom qui est Elohim. Elohim c'est quoi? C'est Mi Ele. Donc, doucement. Donc, c'est très compliqué, vous allez voir pourquoi on va prendre du temps ce Zohar. Je reprends. Ici, maintenant, le Zohar, il nous dit que ce nom de Elohim, il est lié à la création. Évidemment, parce que c'est le premier nom qui apparaît dans la Bible. Ça, on est d'accord. On va comprendre comment est-ce qu'il est formé. Alors, il est formé par rapport au processus de la création. Dans le processus de la création, il y a un degré qui s'appelle, qui est caché, un deuxième degré qui s'appelle la Mahashava, qui s'appelle la pensée. De ce degré qui s'appelle la pensée va sortir un nom. Le premier nom, c'est le Mi. Ce Mi, maintenant, il va vouloir se dévoiler, donc il va créer quelque chose, et il va créer le Elé. Et maintenant, ces deux notions de Mi et Elé, elles vont se lier. Donc on va avoir Mi et Elé. Et ces lettres de Mi et Elé, elles vont former le nom de Elohim. D'accord? Très bien. Ve'a de la bara Elé. Et avant qu'il ne crée ce degré qui s'appelle Elé, la salig bishma Elohim, le nom d'Elohim ne s'était pas élevé. Le nom de Elohim n'existait pas. Il n'y avait que Mi. Ve'inun de chavru ba'gala. Et ceux qui ont Egla, et ceux qui ont fauté lors de la faute du veau d'or, al raza dena amrou, ils connaissaient ce secret. Et par rapport à ce secret, ils ont dit, ils ont dit quoi? Elé Elohecha Israël. Quand le veau d'or a été créé, ils ont dit Elé Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le Mi. Ils ont voulu avoir que le degré du Elé. Ils ont coupé le nom de Elohim. Ils ont coupé le nom de Elohim. C'est ce que dit Zohar ici. Ils ont coupé le nom de Elohim. Je reprends. Ve'inun dechavru be'egla. Et ceux qui ont fauté dans le veau d'or. Al raza dena. Par rapport à notre mystère, Amrou, ils ont dit. Elé Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Pourquoi ils ont dit voici tes dieux Israël en désignant le veau d'or? Ils ont dit nous. Alors c'est une question, mais ils voulaient que ce degré du Elé. Ils ne voulaient pas le degré du Mi. Ils ont coupé le nom en deux. Ils voulaient en fin de compte détruire quelque chose par rapport à la création même du monde. On continue. Vekama deshtatef mi be'elé. Et de même que s'associe le Mi avec le Elé. Je reprends, c'est facile quand on va associer le Mi avec le Elé pour faire le Elohim. Ahri ou Shema de Ishtatef Tadir, c'est un nom qui participe de façon permanente. Ou Berazada Itkayem Alma, et c'est par ce mystère que se maintient le monde.
Ça veut dire quoi? Le monde, il se maintient par l'association de ce mi et de ce élé. Et ces deux degrés de mi et élé qui forment le nom Elohim, c'est sur ça que le monde tient. Et c'est pour ça qu'on crée le monde avec ce nom. Très bien. Adkan Leshono, fin de la citation du Zohar. Maintenant, vous vous posez une autre question qui est différente. C'est-à-dire que comment est-ce que Elé et que comment est-ce que Mi et Elé, ça fait Elohim? Pourquoi est-ce qu'on a mis d'abord le Elé et après on a mis le Mi? Et pourquoi est-ce que le Mi s'est transformé en Yud même? Ça, il faut aller voir Rabbi Chaim Vital, il a la réponse à ça. Chut! Ça, c'est notre question. Ça, c'est notre question. Ça, c'est Rabbi Chaim Vital qui pose la question ce Zohar, si vous voulez, parce qu'il dit qu'il y a eu une inversion. Mais le Zohar, ici, il veut dire qu'il y a deux degrés. Le degré le plus haut, c'est le Mi. Et il y a un degré plus bas qui va s'appeler le Ma. C'est quoi le Ma? C'est le quoi? Il y a le Mi et il y a le Ma. Mais le Mi, c'est Mem et Yud, ça fait donc 50. D'accord? Très bien. Donc retenez ça. Retenez ça, il y a un degré qui sort qui s'appelle Mem Yud. Ce degré, il va s'associer à un degré qui s'appelle Elé. Et ça va faire la création. Vous savez quoi, d'après le Pshat, c'est quoi la création? C'est être capable de dire qui sont ceux-ci, Mi, Elé. C'est être capable de désigner les choses, la création, Mi, Elé. Oui, si on met le Mi devant Elé. Après, on verra comment on fait le nom Elohim. Okay. C'est une autre question. Le Zohar ici, il n'a pas posé la question ici? D'accord. Ou bedivrei amamarazé ne'alamim. Et les paroles de ce texte du Zohar sont des paroles cachées. Rabbe arichut ou me'ate akamut. Et il y a une grande echut, il y a une grande qualité ou me'ate akamut et il y a peu de matière. Ça veut dire qu'il a dit beaucoup de choses en peu de mots. D'accord. Ce texte du Zohar a dit beaucoup de choses en peu de mots. Kefi à Omram ou Kefi Shiur HaShomea, en fonction de celui qui les dit et en fonction de celui qui écoute. D'accord? Vous avez repris? Compris ça? C'est le texte du Zohar, il y a celui qui peut les écouter, celui qui peut les dire, et il y a beaucoup de choses qui sont dans ces quelques lignes du Zohar. Vézé Pirucho, et donc on va commencer maintenant à expliquer ce texte mot à mot. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Beshaata de Setima de Kol Setimin, on a dit que ça commençait comment? C'était au moment où il y a le cachet de tous les cachets. Il dit, c'est quoi ce cachet de tous les cachets? Ici, c'est le Ensof. Ensof Nikra Setima de Kol Setimin. C'est Ensof qui s'appelle le cachet de tous les cachets. Vene'elam betachlit a'elem, et il est le degré le plus caché possible. Qui a Sefirot. M setumim venelamim. Pourquoi? Parce que les séphirot, elles sont simplement cachées. Qui a séphirot, M setumim venelamim. Aval, M niglot, mais elles sont aussi dévoilées. Kol echad, les midash et tartea, chacune par rapport au degré qui lui est en dessous. Donc quand on dit le caché, c'est les séphirot, quand on dit le caché des cachés, c'est Ensof. Parce qu'une séphira, elle a un côté caché et elle a un côté dévoilé. Pourquoi est-ce qu'elle a un côté dévoilé? Parce qu'elle va se dévoiler pour permettre d'émaner la séphira qui est en dessous d'elle. Que ilu noma, et c'est comme si on pourrait dire, shachorma mesaget et aketer, que chorma, puisqu'elle provient de Keter, alors elle a une appréhension sur Keter, dans le sens d'appréhender. C'est-à-dire, elle a une prise sur Keter. Ou Mikol Sheken, Shaketer, Messigeter Romain. Et à plus forte raison que Keter, il a une appréhension, il peut appréhender Romain. Ve Imeyot, Shechtem, Nelamot, Tachlit, Aelem. Et puisque ces deux séphirot de Keter et Chorma, Ne'elamot Tachlit Aelem, elles sont dans le degré du plus caché possible, Vechenadin El Shara Sfirot, à plus forte raison, les autres séphirot, Benim Salefize, qui imeyot Asfirot, Setumot, Venelamot. Et donc, il en ressort que puisque les séphirot, elles sont cachées et enfouies, El Moussagot, El Ane'elamot Shekamotam,
elles sont quand même perçues par d'autres degrés cachés qui sont du même degré qu'eux. Hormain, il peut comprendre Keter, etc. Ma she en ken ben sof, ce qui n'est pas du tout pareil dans le en sof. Pourquoi ? Ki un elam tachlit aelem, parce que le en sof, c'est le degré le plus caché possible. Ad she un elam gam el anelamim, parce qu'il est caché même des degrés cachés. C'est-à-dire que même Keter, il n'a aucune appréhension sur en sof. Rotselomar, qui a filou be'erech adakim ve'anelamim, akerovim elav ou ne'elam, que même par rapport aux choses subtiles qui sont cachées et qui lui sont proches, même par rapport à ces degrés-là, Keter, il ne peut pas appréhender en sof parce que en sof, il est complètement caché par rapport à Keter. Donc, on a appris une chose, c'est que d'après le Rama, chaque fois que dans le Zohar où il y a marqué Sétima, décolle Sétimine, le cachet de tous les cachets, il s'agit donc de Ein Sof. Ça, c'était la première phrase du texte. Vézé Pirouche, et c'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelait Sétima, décolle Sétimine, le cachet de tous les cachets. Pirouche, Satum Vénélam, il est caché et il est enfoui, mais à saga de toute appréhension. À filou les dakim asetumim ve'anelamim, même pour les degrés les plus subtils et qui sont aussi des degrés cachés et des degrés enfouis. Veze aklal yemasur beyadamaskil. Et il dit c'est un principe qu'il faut transmettre aux gens intelligents, c'est-à-dire ceux qui étudient la Kabbalah, gam bamakom, et même dans les endroits, shiimatse temira detmirin, même aussi quand on trouvera l'expression qui est Temira d'Etmirine. Ça veut dire quoi, Temira d'Etmirine? Ça veut dire l'enfoui des enfouis. Donc il y fait attention. Dans le Zohar, chaque fois qu'il y a marqué Sétima d'école Sétimine, ou qu'il y a marqué Temira d'Etmirine, ou qu'il y a marqué l'enfoui des enfouis, on parle du Ein Sof. C'est le degré le plus caché, le plus enfoui possible, même par rapport aux degrés les plus hauts. Qui Sétima d'Estimine, ou Temira d'Etmirine, à kol inyan echad, parce que ces deux expressions de Sétima d'Estimine et Temira d'Etmirine, ça représente la même chose, c'est le même sujet. Ve'im eyot shebekitsat shebeksat mekomot, et bien que dans quelques endroits du Zohar, yimatse shemechane kinuyim ele el haketer. Et il dit bien que quelquefois on puisse attribuer ces deux expressions, comme j'avais fait au début du cours, à propos de Keter, en ze minatema, c'est pas non plus quelque chose d'étonnant. Pourquoi ? Mipne shelifamim mitalem betocho ensof, parce que quelquefois le ensof il est enfoui à l'intérieur de Keter. Donc même quand on parle de Keter, c'est pas vraiment de Keter. Enfin, même quand on attribue ces deux expressions de Sétima, d'école Sétimine et Temira de Temirine, même quand on va les attribuer à Keter, on parle de l'aspect de Ein Sof qui est enfoui dans le Keter. Donc en général, c'est le Ein Sof. Yirse. Pourquoi ? Chez ou mitached l'aitim beshorcho. Parce qu'il y a quelques fois où Keter il va s'unir avec sa racine. Et c'est quoi la racine de Keter ? C'est Ein Sof. Ad, Shera'u, le'alamo, le'tiaches, elav, kinuyimele, et donc on va pouvoir lui donner ses attributs. Ume'asher, Sheba, le'yadenu, never, oto, et il dit, et par rapport à ce qui vient entre notre main, nous l'expliquerons. B, certainement, ça veut dire que quand ces expressions, quand on les rencontrera, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Donc déjà, c'était pour comprendre cette notion de Sétima, d'école Sétimine. Que ce degré, qu'est-ce qu'il faisait ? Ce degré, maintenant, il veut se dévoiler. Baal et Galia, Pirouche. Alors, maintenant, quand c'est que ce degré, il va vouloir se dévoiler ? Pirouche. Be'et she'ala aratson nefanav. Ça, c'est une expression de Pirkei de Rabbi Eliezer, que la création, c'est quoi le moment, le moment A de la création, c'est qu'il est écrit Ba'et she'ala aratson lefanav, au moment où il y a une volonté qui est montée devant lui. Il y a quelque chose qui est monté,
Alors, il faut expliquer cette expression, elle est très complexe, il dit le Ramak, parce que dans le Midrash, normalement, c'est assez, assez rapide, on dit que quand il a voulu, alors soit on dit, Keshé, alors, soit, en général, on dit quand il a voulu créer le monde, parce qu'il faut bien donner, il faut bien donner un moment du commencement. On a dit le moment du commencement, c'est quand il a voulu créer le monde. Ici, le Zohar, il dit lorsqu'il a voulu se dévoiler. D'accord ? L'expression du Midrash, c'est Ba'et She'ala Aratson Lefanav. C'est littéralement au moment où est montée la volonté devant lui, les Hatsil, Hatsiluto, de pouvoir faire émaner son émanation. Parce que, qui Hatsilut, il guilouille à Ma'atsil, parce qu'il est clair que l'émanation, c'est le dévoilement de l'émanateur. Comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Alors, cette notion de Ala Baratson, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est monté dans ce degré de Keter qui n'était pas encore Keter, qui n'était pas émané. D'accord ? Mais bon, c'est un sujet particulier ici. En tout cas, on va dire qu'il y a un moment où le Ein Sof, il va vouloir se dévoiler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, c'est oui, parce que sinon on ne serait pas là. Alors, Avad Bereshan Nekuda Chada, il a fait dans la tête, il a fait dans la tête Nekuda Chada, on a dit qu'il a fait dans la tête un point. Alors il dit, c'est quoi la tête ? Pirou, Charosh ou Aketer ? C'est quoi la tête ? C'est Keter. Il a fait dans la tête qui s'appelle Keter, parce que Keter, ça s'appelle ou Rosh Lechol Ha'atilut, c'est-à-dire c'est la tête, mais la tête en hébreu c'est aussi le commencement, c'est le commencement de toute l'émanation. Ou Betoch Aketer Aze, Aya, pardon, ou Betoch Aketer Aya Inyan Atzilut Achorma. Et c'est du sein de ce Keter qu'a eu lieu l'émanation de Chorma. Donc c'est clair. Il y a le Ein Sof. Le Ein Sof, il veut commencer à se dévoiler. On va faire un point dans la tête. La tête, c'est Keter. Et le point qui est à l'intérieur de Keter, ça s'appelle Chorma. Vezeu. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit Avad Berecha. C'est-à-dire, il a fait dans la tête qui est Keter. Nekuda Chada, un point. Et ce point, c'est la Chorma. Ve'afim nefaresh leshina deresha kepshuto de'ainu batrila. Et il dit, et même si on dit que ici roche, même si on dit que roche ici, ça s'appelle le commencement, il dit, ça change rien. Mukhrachim anu bepirujze. De toutes les manières, on retombera sur cette explication. Pourquoi qu'il est olam atralat kodem elanekuda? Parce que de toutes les manières, avant qu'il y ait un point, il y a eu un commencement. Le commencement, il est avant le point. Et tout ce qui est un commencement, ça a une fin. D'accord ? Donc, il dit, ça ne change rien. Le point, c'est Chorma. Chorma, ça s'appelle un point. Et Keter, ça s'appelle un commencement. Et donc, on est obligé de dire ici que le commencement qui est antérieur au point, ça s'appelle le Keter. Pourquoi ? Et parce qu'au-dessus de Keter, on ne peut pas même parler de commencement. S'il y a un commencement, au moins il y a Keter. Ça ne pourrait pas être au-dessus. Pourquoi ? Parce que s'il y a un commencement, il y a une fin. C'est d'ailleurs pour ça que le Ein Sof, il s'appelle le sans-fin. Parce qu'il n'a pas de fin du tout. Alors donc, le commencement... Soit tu dis que commencement c'est roche et c'est Keter, soit tu dis que roche c'est le début, alors c'est aussi Keter. D'accord ? Donc il est clair par rapport à dessus. Veda salik le meve marshava. Et maintenant il s'est élevé pour être une pensée. Alors, Gvar nidber besharim akodmim, il a dit, on a déjà expliqué dans les portes précédentes, qui teva lachon machashava, que la nature de ce mot de Mahashava, Bedvarim Elokim, à propos des choses divines, Ia Metsiut, c'est quoi la pensée, comment on peut attribuer une pensée divine, comment on peut attribuer une pensée concernant les choses divines. Alors il dit, c'est quoi, ça correspond
à la chose, chez Bo Yitztaïrou Anetzalim Koulam, c'est le lieu où sont formées les choses. La pensée, c'est le lieu de formation des choses. Rotselomar, qui kemo shiamachashava, baishpot adam, aïnyanim, veapeulot, acheritzilifol, comme un homme, dans sa pensée, il va former les choses et les actions qu'il veut accomplir. Alors, de même, dans le degré divin, vechen beelokut, amakom asherbo nitztayeru havayot asher yitzu el apoal, le lieu où vont se former les êtres ou les choses qui vont devenir en acte, qui vont s'actualiser et qui vont donc se dévoiler, alors ça s'appelle la marachava, ça s'appelle la pensée. D'accord ? C'est très clair. D'accord ? Bon, dans Arkea Kinoim, il ramène que Mahashava, donc de ce point de vue-là, c'est lié en général à Chorma, bien qu'on puisse l'attribuer aussi à Keter. Mais la pensée, c'est le lieu où on commence à penser à une chose. Comme dans le langage humain. Je pense à une chose. Bon, tu ne l'as pas encore faite, mais déjà, ça a une forme. Ve'ine. Ba'Keter Elion, lo ityaches a'inyanaze l'ero be'elamo. Dans le Rama qui pense que Mahashava, la pensée, c'est Chorma, c'est pas Keter. Pourquoi ? Parce que dans le Keter supérieur, c'est tellement subtil, c'est tellement caché, qu'on ne peut même pas penser qu'il puisse y avoir des formes. Ki lo yizdak bo tsiyur avayaklal, imeyot che bo en nichlalim. Pourquoi ? Parce que toutes les formes, elles sont dans Chorma. C'est-à-dire que la pensée, c'est le lieu où les choses vont déjà quand même commencer à se dessiner. Dans Keter, tout est un. Tout est ensemble. Omnam, em nelamim tachlit aelem, et alors que dans Keter, tout est enfoui. Shelo nuchal lechanot be'inyanaou lachon machashavaklal, et c'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer à Keter cette notion de machashava. Keter, c'est indifférencié. C'est le degré le plus enfoui des choses. C'est là où c'est le plus enfoui. Alors que omnam bachorma, alors que dans chorma yizdak lachon machashava, alors que pour chorma on pourra lui attribuer la notion de machashava, de pensée, al dererze, de cette manière, mitam ki i ma'arecha arishona me'arba marachot, parce que c'est la première des structures, des quatre structures que nous avons vues dans Seder Hatzilut au chapitre 5. Parce que la première des structures, c'est la Mahashava, c'est Chorma. Chorma, déjà, ça correspond déjà à une structure. C'est pour ça, par exemple, que dans le chariot, d'accord, dans le chariot de Yéhézkiel, c'est qui marche par un élément de 4, ben le plus haut degré, il sera Chorma, il ne sera pas Keter. Parce qu'il n'y a pas vraiment de conduite du char par rapport à Keter. Ou plutôt, c'est lui qui est... Enfin, c'est pas un élément moteur de direction des choses. C'est peut-être le moteur de tout. C'est le moteur à l'intérieur du moteur. Mais quand les choses vont commencer à avoir une forme, alors ça s'appelle Chorma. Et donc, et à Chorma, on pourra lui attribuer cette notion de Mahashava. Et, dit, et donc c'est à cela que ce texte du Zohar ici fait allusion, dans ce texte-là, quand il dit « Veda salik l'emeeve machashava » lorsqu'il s'est élevé pour être une pensée, « Pirouche zolo aketer » donc il a dit « c'est pas le keter ». Pourquoi ?« Kiba keter lo yizdak minatam shepirashtu » parce que pour le keter, on ne peut pas lui attribuer cette notion de machashava à cause de la raison que nous venons d'évoquer. Ve afalpi shenimsa ki aketer lifamim nikra machashava. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'Abou Dafia dira que machashava c'est keter, on peut aussi quelquefois attribuer la machashava à keter. Pourquoi ? Ve u minataam sheizdak bo kotso sheliod. C'est quand on attribuera à Keter le fait qu'il soit la pointe du Yod. Si la pointe du Yod, parce que ça veut dire que si le Yod c'est Chorma,
Alors on pourra considérer peut-être que le premier degré de dévoilement de la Chorma, ou l'origine de la Chorma, et quand on dessine le Yod, on commence par une pointe, alors cette pointe du Yod, c'est Keter. Et ça, ça correspond... Comment ? Mais quand on dit que Keter, c'est la pointe du Yod, ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire que cette pointe, c'est un petit Yod, chez Yod Ketana, les Orot à la Dakutanelam, et ça indique le degré le plus subtil possible, à la Dakutanelam, Nichlelet Beshum Marechet Yoter Daka, Mi Marechet Ayud, et ça veut dire que c'est un degré qui est encore plus subtil que le degré de Yud. Oui, c'est-à-dire parce que le Yud, c'est sûr qu'il est lié à Chorma. Donc il dit, si on considère que Chorma, c'est un Yud, alors pour considérer que la pensée aussi, il puisse y avoir une pensée, qu'il puisse y avoir une pensée d'enquêteur, alors il dit, ça fera comme si on considérait qu'il y a une petite pointe dans le Yud et que cette petite pointe du Yud correspond à Keter. Je reprends parce que le Yud, il est dans Chorma, comme on l'a expliqué à propos des configurations des lettres dans la porte du tétragramme. Vous vous rappelez, quand on a vu le tétragramme, on avait dit que quand on voyait Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, c'était Chorma, et c'est Bina, Vav, c'est Tiferet, et le dernier, et c'est Malchut, au troisième chapitre. On continue un petit peu. Mipne metziyut achorma sheba keter. Il dit alors, ou peut-être, il faudrait peut-être dire que à ce degré-là, chorma, elle est dans keter. Ki i kolelet atzilut bedakut gadol, parce qu'effectivement, la chorma est dans keter, y a tout, et dans keter, y a chorma. Parce que qui bat Keter atzmo lo yizdak que des pirages rabishon beyochai beidra que des pirages betevaka bechaï, et on ne peut pas attribuer tout cela, on ne peut pas attribuer tout cela à Keter, comme c'est expliqué dans la Hydra et comme on l'a expliqué dans notre commentaire du Zohar dans le Oryaka, où les ma'ala me'a Keter nikra berachok marshava de kol marshavatim. Alors il dit maintenant, et ce qui est au-dessus de Keter, on pourra l'appeler, mais de façon vraiment, vraiment éloignée, Mahashava dechol Mahashavatin, la pensée de toutes les pensées. Et ça, c'est encore autre chose, évidemment. Mipne, pourquoi ? Parce que là-bas, à Mahashavot, Mbeherer Mahashava, Kasher Noda Ael Mamsham, parce qu'on ne parlera pas de la pensée, mais on parlera du degré le plus enfoui de la pensée. D'accord. Comme on l'a expliqué dans la porte des nitessences, que des pirachnu bechar atzarzachot. Ve'ata izdak lanu inyan yot aketer arosh. Donc reprenons. Keter, c'est la tête. Chorma, c'est le cerveau et c'est la pensée. Keter roche. Achorma amoar ve'amachashava. Min atam azé qui a moar bo yitzaru tsurot bachashaviot, parce que c'est dans le cerveau que vont se former les formes de la pensée. Aval barosh lo yitzarer betocha davar, mais dans la tête il y a rien. D'accord, dans la tête il y a rien, c'est dans le cerveau. Alors c'est complexe, parce que si on dit comme ça, ça veut dire donc que la tête elle englobe le cerveau. Et si la tête, elle englobe, le cerveau, donc on voit bien que Keter, il contient le cerveau. C'est ça qu'il veut dire ici. Donc la tête, c'est Keter, et à l'intérieur de la tête, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est Chorma. Aval barosh lo yistayer betocha davar, ki sham lo yitgale atzilut klal, afilu ken machashava. Parce que dans la tête, il n'y a rien qui puisse se former, même pas une pensée. Aval. Et voilà, retenez ça ici. Avala Keter, Sovev, le Keter, il entoure, Ve Kolel, et il contient, la Chorma, la pensée, Ke Inyan a Gulgolet a Sovev Ve Koter a Moach, de la même manière que le cerveau, il entoure et il couronne, pardon, de la même manière que le crâne, il entoure et il couronne la tête.
De la même manière que le crâne, il entoure et il couronne la tête. Donc, si on veut voir comme ça, on va dire effectivement, Keter, c'est ce qui est au-dessus et qui englobe. Et la Chorma, c'est ce qui est à l'intérieur et c'est le cerveau. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.